this Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre 52e épisode sur Days Gone en compagnie de notre cher Deacon St. John qui a retrouvé sa petite et tendre Shara. Par contre, est-ce que ça se passera aussi bien? Je ne suis pas sûr. Pour le moment, elle n'est pas décidée à partir, sachant qu'elle a des choses à accomplir, mais qu'une fois que tout cela sera fini, eh bien on pourra partir où on le souhaite. Ce qui n'explique toujours pas non plus Claude Zinzoin et la bague que j'avais offert. Et on a rendez-vous en haut, donc on va crapahuter par ici. Je sais pas du tout ce qui va nous attendre. J'espère que l'épisode ne sera pas aussi long que la dernière fois. J'ai dû le couper en deux parties parce qu'on était un peu coincé avec toutes ces cinématiques et ce qui se déroulait. Donc là, on va voir. J'ai l'impression de redescendre. Attends, j'aurais dû y aller en moto, les jeunes. Bah écoutez, je crois qu'on va se retrouver directement en haut, hein. Ok, mur, on a une sacrée vue d'ici. Et c'est une sacrée zone. Je sais pas si le chemin là-bas... Ah ouais, il longe l'eau, mais il passe. Je sais pas si après ça arrive jusqu'ici. Ah, mais c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose cet endroit. Hein. J'ai plus d'énergie pour crapahuter. Ah, donc c'est compliqué, je suis obligé de faire des petites pauses. Ok, nous voici, nous voilà. Bon, la prochaine fois, je monterai en moto, bien que ce soit pas non plus ce qui est top. Ou ce qui est plus top. Je sais pas si je peux rentrer ici. Ok, ce sera peut-être pour un rendez-vous secret plus tard. Donc, en attendant, on va aller par là. Elle est en train de picoler ou... il. C'est bien la picole. Peut-être pas le moment le plus approprié. Ah, ce cher commandant. Caporal St. John ? Oui, chef. Entrez. Je savourais une tisane gentiment. Il fait très anglais. Par le lieutenant Whittaker. Vous en voulez une ? C'est très bon pour la digestion. Non, merci, monsieur. Je cherchais juste le tableau des tâches. J'ai une mission pour vous. Des hommes, caporal. Même s'ils on a une liste de courses aussi. Ils ont enlevé l'une des nôtres. Le lieutenant Justin Norwood. Un très bon élément. Et ils la retiennent prisonnière, alors... ok, j'irai la délivrer, colonel. C'est grâce à des hommes tels que vous... qu'on reconquérera le monde. Rompez. Ok. Donc, on reconquérera le monde. Nickel, c'est terminé. Ouais, scénario de rejoindre les mises pour tirer les choses au clair, je le ferai, pas de problème. Ok, nouvelle compétence là, on verra ça plus tard. Attends, faut que je redescende en bas moi maintenant. Ah, faut que je redescende, j'aimerais bien aller voir où est-ce qu'il y a là. Capitaine Coury pour Deacon. Ouais, Saint merci John. Monsieur Coury. Venez me voir à Diamond Lake. Oui, capitaine, je suis là, bien reçu. Oh, waouh, la Bible du colonel, elle a l'air sacrément usée. Ah, et ses tisanes. Matt peut aller se faire foutre. Ouais. Ah, ok, bon bah, cassos. Ok, mur, j'arrive enfin en bas. Ça a été tout aussi chiant de redescendre. Donc, la prochaine fois, on pensera à y aller en moto. En espérant que celle-ci soit pas bloquée. D'ailleurs, ma petite moto, elle est par là-bas. Donc, on va y foncer. Ah, oh, t'arrêtes pas. Putain, j'ai plus d'endurance. Ma petite moto, s'il vous plaît. Hey, t'es pas censé être là. Ouais, tais-toi. Ah, ma petite moto est là. Ah, parfait. Ça, je vais l'éteindre. Et je sais pas par où je dois sortir. Ici, ça a l'air de le faire. Ah, donc on va y aller. Je sais pas à quelle distance c'est. Et par qui exactement s'est fait enlever la petite dame. Ah, mais on va essayer de résoudre ce problème. Donc petite map quand même, histoire de voir. Ah ouais, c'est carrément à l'autre bout. Je peux sûrement devoir passer par ici. Ah, pourquoi ils me mettent pas de points? Ouais, je suis là, donc... il va falloir faire un petit tour par ici, sûrement. Et puis foncer là-bas. Ouais, sélectionner la mission, c'est ça. Retourner au camp de Diamond Lake. Parler à Coury. Non, ça c'est pour parler à Coury.
Je vais retrouver la petite dame, les jeunes. Partez au nord de Chelmut, Wizard. Faut jamais perdre espoir. Protéger les plus faibles. Ok. Mais écoutez, on ira voir Coury après, si on le peut. Donc ça, je vais l'enlever. Et on va foncer là-bas. C'est parti. Donc c'est par ici. Ah. Caporal Sanchon, tu me reçois? Ah, c'est l'autre zinzon. Est-ce qu'il marche pas pour moi? Je crois que le toki marche pas. Si, il marche ton toki, qu'est-ce que tu veux? Deacon Sanchon, salut! Je veux rien, je veux juste prendre des nouvelles quoi. Je t'ai pas revu depuis la cérémonie des prestations de serment. C'était quelque chose hein, ce truc là. Et alors, je suis un peu occupé. Quoi? Et qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, qu'est-ce qu'ils te font faire? Hein? Moi, je suis dans l'infanterie. Je sais pas quelle autre connerie. Je passe mes journées à cramer des nids, à battre des arbres et à trimballer du bois. Alors je me demandais, toi, ils t'ont affecté où? À la recherche. Ils m'envoient dans le No Man's Land trouver du matos pour les officiers qui bossent sur les... Ah merde, ouais, j'en ai entendu parler. Ouais, des armes biologiques, des armes chimiques, des trucs dans le genre. Qui les crame tous, ces mutants, pas vrai? Okay. Bon, ouais, Taylor, faut que j'y aille. Ok, hey, attends, je voudrais te dire un truc. Écoute-moi, je commence à me poser des questions, tu vois, sur toute cette ambiance militaire. Je sais pas. Oh, Taylor, t'es sur quoi comme Toki? T'es sûr que personne peut t'entendre? Oh merde! C'est ce que je me disais, faut que j'y aille. Terminé. Ok. Ah, je sais pas ce qu'il disait à propos du lieu, là, le Perdicon. Mais on va y aller. On va voir, on va scruter. Un autre site du Néo. Il y a peut-être quelque chose dans cette unité médicale. Ah, vraiment que j'ai les fioles, là. Ça serait peut-être bien que j'améliore aussi ma petite santé. Je sais pas si au niveau des munitions, j'aurais besoin de prendre quelque chose. Hey, tu m'entends, mec? Hey. Taylor, qu'est-ce que tu veux? Ah bah te voilà. Ok, j'ai enfin compris comment faire marcher cet engin. J'ai trouvé un canal sécurisé et tout. Alors comment ça va, vieux? Taylor, je suis un peu occupé pour l'instant, alors. Ouais, désolé. Dis, il paraît qu'il y a de la cam qui entre dans le camp. On passe sous le nez du colonel. De la bonne cam en plus, tu sais quelque chose à ce sujet? La cam, c'est pas mon truc, Taylor. Alors non, je sais rien à ce sujet. Pourquoi? Non, moi non plus, c'est pas mon truc, c'est juste que j'ai vu un mec, une des nouvelles recrues, se comporter bizarrement. Il entre et il sort du camp sans arrêt, alors je me suis dit que j'allais suivre, tu vois, pour essayer de savoir ce qu'il manigance. Putain, merde, Taylor, écoute-moi, va plutôt parler à Coury, laisse-le s'en occuper, d'accord? Ouais, d'accord, c'est une très bonne idée, ouais. Ok, monsieur St. John. Mais filez-moi mon couteau. Ouais. Terminé. Taylor, dans quoi tu vas t'embarquer? Ok. Bon, déjà, nous, on va essayer de pas mourir. Ah, il me refile à chaque fois mon machin, là. Ici, Radio Libre Oregon. Ah, putain, il m'avait la pas manqué, lui. Copland. Les fédéraux étaient des bébés pleurnichards nourris au sein par les contribuables. C'était peut-être des abrutis, mais n'allez pas les sous-estimer. Dites-vous bien que les gros bonnets sont planqués quelque part dans un bunker à attendre l'extinction des mutants. Ils ont pas sauvé les affamés ou leurs précieux électeurs sans qui ils seraient jamais arrivés au pouvoir, non? Ouais. Ah ouais, faut que je prenne le tunnel. Et là, il y aurait des nids, genre. Infestation Tumblr, détruisez les nids. Ok, là, il y a le camp du Nero et après, faut que je prenne le pont. Les hommes enfin, le tunnel. Et les femmes qui ont joué le jeu. Patiemment sous terre, sûrement en sirotant du champagne. Pendant ce temps-là, nous, on est dehors à souffrir et à crever. Tout ça pour que les fédéraux puissent recommencer à zéro. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas prise en compte. On n'est pas aussi cons qu'ils le croient. Et quand ils se pointeront pour reprendre le monde, une fois que les mutants auront disparu, on sera là à les attendre. Oh que oui! Et ils regretteront vite d'être sortis de leur tanière. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Okay. Ne gobez pas les mensonges. Oh bordel. Même jusqu'ici, je capte toujours cette putain de Radio Libre Oregon. Ah mais ça veut dire que les autres peuvent peut-être potentiellement l'entendre alors. On a dit que tout le monde était mouru de l'autre côté, mais...
Ah bah a priori non, hein. Là c'est grillé, grillé. Ah, faut que je trouve les derniers. Je sais peut-être sûrement sur le bâtiment en face. Après j'ai repéré le jerrycan pour faire le plein. Là il y a le corps au sol qu'il faut que j'aille fouiller aussi. Ça on va le prendre. On va voir s'il n'y a pas un truc. Donc là il y aurait le générateur. On mettra le carbu au dernier moment. Il y a plein de caisses aussi. Si jamais on doit tout faire péter. Il y a plein de trucs à récupérer. Ouais, du tissu. Ah ouais, ce serait peut-être bien, c'est que j'arrive à rentrer dans le bâtiment sans tout faire gueuler là. Ah, vivement que j'ai les grosses bonbonnes incendiaires là. Non mais monte directement là, là. Vas-y, saute. Ah. Je sais pas si c'est pour moi ou pas. Attends, j'ai pas encore fait de bruit les jeunes. Ah, ils sont en train de peut-être bouffer un renne. Ah, ça promet là. Ah non, ils se battent avec un ours zombie là. Ah ok, on va éviter de les attirer. On va faire un dernier check avant de voir. Donc là, sur le bâtiment en face, c'est bon. Faudrait pas que je coupe celui-ci, là. Mais celui-là, je l'ai coupé, hein. Ah, j'ai peut-être coupé au fond, mais j'ai pas coupé là. Ok. Devant. Il y a là aussi. Ok, il en reste potentiellement deux. Mais je vais voir s'il y en a pas un sur... un gros projo qui traîne comme avant là, parce qu'à chaque fois je me faisais avoir et berner comme ça. Donc on va faire gaffe. Dépêche-toi de monter. Non mais si, là je l'ai coupé, je me suis fait avoir. Donc là les deux, c'est bon. En face. S'il y en avait deux, je les ai peut-être potentiellement eu. Là il n'y a pas. Là non plus. On va faire gaffe au projo. Et qu'il n'y en ait pas un peu plus loin. Qui se mettent à sonner. Je sens que là, si j'allume, je vais me faire avoir. Je sais pas pourquoi. Ah merde! Il m'a fait flipper ce con. Ah, je crois qu'il y a une nouvelle plante à côté. Ouais, R. Attends, t'abuses. Ah, vas-y, fais-moi monter dans les airs. Allez, tranche-le, là. Merci. Ok, nouvelle petite plante. Ok, l'arbre, là, je suis pas sûr de pouvoir le gauler. Ah, je vais prendre le risque, hein. Je vais prendre le risque. Là, c'est coupé. Normalement, tout est coupé partout. Hein. Voir s'ils m'ont pas foutu un truc plus bas. Ouais, là-dessus, il n'y a rien. Je préfère vérifier qu'il n'y ait pas un truc qui soit fixé je sais pas où, là. Normalement, sur tout cela, c'est bon aussi. Donc c'est parti, messieurs, dames. J'avais repéré le jerrycan dans le coin. Peut-être de l'autre côté. Voilà, à côté du bus. Ah, d'ailleurs, ouais, j'ai le corps aussi à aller voir. Ok, un chiffon. Et là, il y avait une croix. Je sais pas si c'est pour la lame. Parce que ça a l'air d'être ici, mais il n'y a rien. À moins qu'à l'intérieur, il y a un truc à fouiller là dans le coin et à... Et que ce soit mal calé, mais bon, c'est un peu bizarre. Et là, ça, je peux pas le prendre. La petite plante là. Ouais, hein, là je vois pas, le seul truc qui brillote c'est la lame. Et je vois pas de corps en légion. Non, je suis en plein sur ta croix là, mais bref, le camion. Ouais, merci, j'allais faire le pain de ma petite moto après. Ouais, F. Je vais peut-être... Putain, je sais pas si j'avance ma moto maintenant, mais...
Alors, je sais pas si je vais le regretter. Voilà, on est sur la bonne voie. Ah voilà, je crois que c'est la première fois que j'arrive à couper tout ça sans que ça me déclenche quoi que ce soit. Donc c'est plutôt bon. Je vais rapprocher la petite moto, faire le plein. On va aller s'améliorer notre petite santé. Et on est reparti. Ah merde. Ah, vite, vite, vite. Oh putain, enfoiré. Ouais, dégage là. Je suis prêt à appuyer sur R s'il faut. Histoire que je me fasse pas avoir comme avant. Ouais, vas-y, coupe. Attends, il y a une buglarde. Merci bien. La vache. C'est pas trop tôt. Saloperie. Ouais, j'ai peut-être allé récupérer son oreille. Une prime. Ok, parfait. Donc l'autre me repère pas là-haut. On va remonter la petite moto. Ah merde. Ah ouais, attention, la moto, je viens de la relever. C'est pas pour la re-ramasser. Allez, coupe-moi tout ça, là. Ouais, merci. Allez, cassos. On va éteindre la moto. Oh, coupe-moi, là. Ah, on va avancer ça. Putain, c'est quoi, là, la lumière? Ah, le projo, il s'est allumé. Ah, la nuit va tomber, c'est ça, les jeunes? Ah, on va aller fouiller les petits bâtiments. Je vais me laisser ça là. Je vais commencer par celui-ci. Je sais pas si c'est là que je vais avoir droit à ma petite picouse. Bon, voyons ce qu'on a là-dedans. Ouais, les munitions. Ça a l'air d'être tout, les jeunes. Ah, peut-être là. C'est ici la dose. Okay. Qu'est-ce qu'il me fallait? Allez, viens, on va shooter. Ah, l'endurance, la santé ou la concentration. Je veux bien plus de vie. Je crois que de toute façon, on est reparti pour un cycle. Hein. Donc c'est vie, endurance et après le focus. Ah, merci bien. Ça tombe bien, j'étais un peu patraque. Yes, en plus ça m'a soigné. Ah, parfait. Je crois entendre un salopio là. Aïe. Oh mince. Ferme la porte. Enregistrement du Nero. Allez. Oh non, il y a nulle part où aller. On peut pas fuir. Soldat, ne touche pas cette porte. Il n'y a pas d'issue. Pas d'issue. Oh non, je plaisante pas. On est plus au village déserteur. Où je vais aller? Où est-ce que... Ah, ok, il y a un bombage. Ok. Je dirais qu'il y a un truc dans le sol là. On appelle le sens du devoir. Ah ouais, ça se trouve, c'est dans le sol là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une entrée de bunker quelque part? Ce qui serait en soi un peu bizarroïde. Et je sais pas si ce serait avec la porte qu'elle a. Encore une zone de nidification. Il faut que je fasse tout cramer en sécurité. Oh, t'es sérieux quoi? Il est cané ou... Ah, je peux pas les ouvrir. C'est-à-dire que je vais galérer pour passer quoi. Est-ce que je vais galérer pour passer en moto? Ça a pas l'air d'être trop le cas. Mais pour passer, ouais, c'est un peu chelou. Ah, peut-être là, les jeunes. Pour descendre. Je sais pas s'il y a un nid. On va faire gaffe. Il y avait un truc à gauler, par contre. Donc on va y aller. Vous inquiétez pas. Je vais tenter ça. Plus. Ouais. Ok. Technologie IPCA. Et j'aurais pu passer par où alors?
Ah bah c'est là où il y a le projo. Je sais pas si c'est... Ouais, c'est là où il y a l'ours. Ah ok, bah écoutez, Cassos, là-bas il y a de la lavande, mais j'ai pas trop le temps. Ah donc Cassos Bamos. Ok. On est parti. J'ai entendu gueuler. Alors, je sais pas s'il y a vraiment du nid là dans le coin. Le camion s'est fermé. Ouais, on verra ça plus tard les jeunes. Hein. J'ai pas trop traîné. Aïe. Oh, t'abuses, d'icône. Ah ouais, il y a un trou. Bâtard, tente des embuscades à tous les convois de ravitaillement du coin. D'un qui traverse la route. Il y a 2 ans, t'aurais mal fini. Ouais, écoutez les jeunes. Je vais me mettre là et je vais essayer d'aller récupérer mon dent. Ah merde. Ça c'est nouveau ça. Ah c'est nouveau, je le sens pas très bien. Je sais pas s'il va me bondir dessus. Après s'il part. Ah s'il part je vais le laisser. Ah merde, il est en train de bouffer ma carcasse, t'es sérieux toi ou quoi? Ah mais t'abuses. C'est ma carcasse les jeunes, wesh. Ouais, merci bien. Pas qu'il y a un jaguar ou un puma qui me saute dessus là. De la viande. Ouais, merci bien. Ah, donc. Je sais pas. Ouais, 120 mètres. Ouais, les jeunes, je vais y aller à pied. Hein. Et je crois qu'en plus, c'est là. Ah, bah attendez. Il y a du loup. Ouais, je t'ai vu arriver. Merci. Je sais pas s'il y en a un troisième. Il y a beaucoup d'oiseaux dans le ciel là. Hein. Je sais pas pourquoi. C'est, je sais pas si c'est des charognards ou quoi. Et j'ai cru entendre un troisième loup. J'espère qu'il va pas me tomber sur la tronche. On va aller fouiller le camp aussi là. On va s'occuper des pépères à côté. Ah, le camp c'est par là. On va voir ce qu'il y a de bois à prendre. On le quitte là, je peux pas. Ah, j'ai entendu un rugissement là. Oh putain, enfoiré. Oh, t'es sérieux quoi? Merde, je suis en train de me soigner, j'ai arrêté au dernier moment. Oh, t'es sérieuse ou quoi? T'es sérieuse ou quoi? Vas-y, repasse par là. Il faut que je recharge. Je sais pas si j'aurai un autre petit silencieux à disposition. Putain, j'en ai acheté je sais pas combien et je sais pas où il est là. Ah merde, il est là. Vas-y, viens par ici là, que je te crame. Ah, merci bien. Est-ce que je peux te dépouiller? Ouais. Ah ouais, ça va, 5 minutes là, les jeunes. Ah, ça va, 5 minutes, merci bien. Donc, est-ce que je suis full au niveau des petits bandages? Je vais en prendre un petit parce qu'un grand, ce serait fort inutile. Source de secours, j'en ai que 2. Alors, je vois pas pourquoi l'autre, je pouvais pas la prendre.
Ah, si, je... ah oui, si, non, c'est bon, j'en ai utilisé une pour me soigner. J'ai rien dit. Ok, par contre, niveau munitions, ça avait pas l'air d'être trop ça. Ah, merci bien. Merci bien. Donc là, il n'y a rien à prendre dans la... dans la voiture. Je sais pas là-bas ce que ça va donner. Je préfère pas y aller. Ah, si j'ai besoin, il y a un jerrycan. La batte, je m'en fous. Et là, c'était quoi? Il y a rien par terre, les jeunes, là. Ah, oh, il y a un bug, hein. Ah, oh, il y a un bug. L'item, on le voit pas. Par contre, tout ça, je vais l'embarquer. Et là, forcément, genre, je peux pas passer. Ah, c'est super. C'est quoi, là? Ok, je prends les petits clous. Ah, je prends... Je vais peut-être éteindre ma lampe torche. Ah, et donc, nous, c'est par là. On va essayer de faire gaffe. Ah, attendez. Oh, t'es sérieux ou quoi? Ok. Prendre mon petit gun. On va aller voir de ce côté pour commencer. Ok, c'est sur le chemin de fer. On va peut-être plus descendre de l'autre côté. Colonel Saint-John au rapport. Je suis au dernier endroit où on a aperçu le lieutenant Norwood. C'est quasi ouais, blindé, c'est bon. Votre truc. Vous êtes certain de vouloir m'y envoyer seul? Vous avez vos ordres, caporal. Terminé. Ah, il veut qu'on se fasse découper. Bien, mon colonel. Il y a une horde ou pas, là? C'est chose que je fais, hein. Ah, ma loupiote, elle est allumée. Ah, ça se trouve, c'est la petite maison d'une horde de temps en temps. Là, ils sont sûrement de sortie. Eux, ils sont installés juste à côté, quoi. Je sais pas si je peux passer par là. Ouais. Déjà, il y a... J'en ai plus besoin de toi. Ok, allez, mes salauds, c'est parti! Oh merde. Putain, il est blindé ou quoi? Putain, j'ai genre plus de silencieux, quoi. Aïe. Ok, de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je descende en bas. Merci bien. Ah, par contre, avec le bruit que j'ai fait, ça va être tendu. Ok, il y en aura encore un.
va se planquer sur le côté. Je sais pas s'il serait dedans ou... Ah merde, ils sont là. Ah, je vais me faire quelques petites bombes tuyaux. Je vais me prendre un petit molotov au cas où il se pointe. Non, molotov s'il vous plaît. Ah là, je vois pas assez, hein. Je vais m'approcher, mais... je verrai peut-être un peu mieux comme ça. Ah ouais, hein, c'est chaud pour voir quelque chose là. Ah, c'est tendu ma Zeta, parce que je vois absolument rien dans le noir, les jeunes. Hein. Et même avec ma petite loupiote, puis je peux pas me caler contre les murs là. Ou difficilement. Je veux bien que tu te cales de l'autre côté. Ah, ils mettent pas beaucoup. Je vais attendre tout ça. C'est bien, c'est que je m'arrête en plein milieu pour fouiller. J'ai de la chance. Ok. Ouais, je peux pas le prendre. Je sais pas ce que c'était l'autre truc là-bas. On va s'avancer par là. Je vais éteindre ma petite loupiote. Putain, je vois que dalle, les jeunes. Ah, merci bien. Ok, ma Zeta. Tout ça, c'est fait. On va fouiller tout ce petit monde. Ah, merci bien. Ah, c'est elle, là. Ok. On va vous libérer, madame. Ah, merde, la boîte par terre. Attendez, j'arrive. Bon, comment ça va, lieutenant? Saint John. Moi qui avais perdu espoir. Ah ouais? Une vieille connaissance m'a dit un jour, il faut jamais perdre espoir, parce que sans ça, autant se tirer une balle tout de suite. Je m'en souviendrai la prochaine fois que les squatteurs me tombent dessus. Ça ira. Bon, alors, le camp est sécurisé et votre moto est intacte. Du coup, vous pourriez rentrer toute seule, hein? Ouais, je vais m'en sortir. Merci, Saint John. De rien. Allez, restez pas là. Allez. Ouais, et toi, tu cours dans le mur, on sait pas pourquoi. Ah, faut jamais perdre espoir. Hop, Wizard, s'en prendre aux faibles, c'est pas bien. S'en prendre aux faibles, c'est pas bien. Bon, en fait, c'est complètement bouché. Bon, ça, je veux bien embarquer. Ah, écoutez, on va aller voir Coury, hein. On va aller voir ce que veut le père Coury. Colonel, je viens au rapport. Ok. La vache, ça n'a pas été simple. Je l'ai tiré de là. Le lieutenant Norwood est sauf. Au travail, caporal. J'envoie tout de suite une patrouille. Elle a dit qu'elle pouvait rentrer seule. Du coup, je vous rappelle plus tard pour vérifier qu'elle est bien rentrée. Saint John, terminé.
Ok, je sais qu'il y a un bandage près des toilettes, alors je vais le prendre. Par contre, il y aura encore un truc en bas, je sais pas quoi. Ah, mais j'ai pas trop le temps pour ça. Il y avait encore une croix dans le tunnel. Et qui n'est plus là, bien sûr. Et puis j'ai entendu gueuler là. Peut-être pas prendre ça. Ah, meurt. Ah, parce que si elle se met à gueuler, merci bien. Ah, il y a plein de... Ah, il y a plein de croix. Ah, ça se trouve, c'est au-dessus. Ah, ça se trouve, il y a eu un carnage au-dessus. Je sais pas si je vais avoir le temps d'aller voir ça. Ah, ici, ça va pas être dangereux, surtout. Parce que là, pour passer à... Avant de passer sur le côté... Colonel, je viens en nouvelle pour le lieutenant Norwood. Caporal, je viens de lire son rapport. Selon elle, vous auriez nettoyé un camp entier de défis. À vous tout seul. Vous n'allez pas la laisser toute seule dans ce merdier, mon colonel. Très bien, Caporal. Le capitaine Coury a avancé votre nom pour une promotion. Je commence à comprendre pourquoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nid dans le coin? Il est ce putain de nid. Il j'ai pris plein d'oreilles là. Là, il y a plein de trucs. Hein. Allez, au feu. Ah bah tant que je suis là, je vais le cramer. Et je suis parti. Ah, je vais partir sans faire de bruit. On aura récupéré le fruit de notre succès plus tard. Ok, les murs, j'ai été poursuivi par un autre jaguar. Il y a une espèce de grotte, je sais pas si on peut y accéder directement par là. En tout cas, on arrive sur zone. Sauf si je me fracasse avant. Elle est compliquée la zone là. Hein. Peut-être descendre sans faire de bruit. Histoire de pas en attirer plus et je vais passer sur le côté là. Hop les. Allez. Ah ouais, en fait c'est le camp là. Aïe. Il est avec l'unité de courrier. Ouais, vas-y, chute. Ok, on va laisser la petite moto ici. Allez, caporal, sergent Coury, on arrive. Il est où ? Sergent. Il est où ? Il est passé où, les jeunes ? Dans la tente, là ? Dans la tente. Ah bah, il est juste là. Je suis con, moi. Allez. Caporal, parfait. J'ai une tâche nécessitant vos talents particuliers. Ouais. Ouais, ok, chef. Vous vous rappelez Vasquez ? Le déserteur ? Ouais, on l'a suivi jusqu'à un camp de bûcherons, je m'en souviens. Eh bien, cet homme, le sergent Lee Anderson, était son partenaire. On s'apprêtait à l'arrêter quand il a tué un garde et pris la fuite. De vrais accros du code de l'honneur, vos hommes. Nos hommes ? Vous êtes des nôtres dorénavant, vous avez oublié ? J'ai noté sa dernière position connue sur votre carte. Apparemment, comme Vasquez, il n'était pas seul. Génial. Ok. Inspecteur Derrick, merci bien. Ah, écoutez, voilà, on ira tuer ou déloger cette petite personne la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et on fera les petits jobs de Monsieur Coury la prochaine fois. Et si vous ne voulez pas louper tout cela, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et surveillez bien. Et là, vu que c'est la... Caporal, je peux vous aider ? Ça roule. Oh, la dépêche. Ouais, vu que je risque d'être bloqué là pendant un certain beau temps. Beau travail. J'ai rien d'autre. Vas-y, descends. Oreille de rageur. Oh, c'est à la cuisine que je voulais aller voir un truc, bonne là. Chance.
Where is the kitchen, please? Pour la viande là qu'on a récupérée pour voir si c'est un. Salut, caporal. Un cougar ou je sais pas quoi là. Putain, ma cuisine elle est où, Légiana? Donc c'est de la viande de quoi? Ouais, c'est bien un cougar. On va lâcher une viande de cougar et de loup. 5 bichettes. Et 18 loups. Bah écoutez, voilà, hein. Moi je vais continuer de vendre tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Excellent! Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.